aujourd'hui, surtout pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Du coup, vu que je vous ai promis que je ferai des vlogs, oui, je vous retrouve comme hier dans mon lit. Arrête! Mon chien, en fait, elle bouffe son jouet, bref. Donc, je vous retrouve comme hier dans mon lit. Arrête de essayer de lui arracher les oreilles! Et arrête de regarder ailleurs comme si t'avais rien fait. Je vous retrouve comme hier dans ma chambre parce qu'en fait, bah, du coup, j'ai pas filmé toute la journée. Parce que c'était aujourd'hui une journée pas hyper spéciale dans certains sens, mais on était sur une belle journée, j'étais contente, du coup c'était une bonne journée. Je me suis entraînée pour les 24 heures du Mans avec mon frère. Voilà, donc il a décalé les 24 heures, donc pour ceux qui veulent, pour les gars qui regardent et qui veulent faire sur Gran Turismo, les 24 heures du Mans, mais 24 heures, 24 heures. C'est pas genre 24 heures du Mans, enfin, c'est pas genre le Mans, mais en 2 heures, c'est vraiment 24 heures sur 24. Donc là, vous allez faire les vraies 24 heures du Mans, donc de préférence, faut être plus de, faut être au moins 2. Bah, c'est plus pratique parce que bah, forcément, après, si t'es fatigué, tu peux pas dormir en fait. Et donc là, nous, on va être 3, il y aura mon frère et mon père qui se relaieront, et moi, je ferai des relais de 1 heure, et eux de 2 heures. Voilà, et normalement la journée je serai tranquille. À part s'il y en a un d'eux qui a par exemple une crampe aux mains ou des choses comme ça, bah, je serai là pour les remplacer. Voilà. Voilà, voilà. Après. Sinon là j'allais lire le livre Le Labyrinthe parce que je dois le lire. Voilà. Je suis avec mes doudoutes quand j'étais toute bébé, je les ai retrouvées, j'étais trop contente. Je les ai retrouvées il y a longtemps, mais là je les avais reperdues et je les ai retrouvées. C'était mes deux doudous quand j'étais petite. J'aime bien les garder, donc voilà. Donc il y a mon chien à mes pieds, je vais vous montrer. Voilà, tout simplement. Et puis, mais il y a mon tigre, mais il a les pattes en l'air. Tout le temps, en fait, je le prends mon tigre parce qu'en fait, j'aime beaucoup soit... mettre son dos, voilà, sous mon bras et que ça me soutient le bras quand je filme. Ou alors j'aime bien poser ma tête, c'est plus pratique. Donc là je l'ai mis correctement. Comme ça on a l'impression, genre si je le mets comme ça, on a l'impression qu'il est vachement grand. Je le mets comme ça, on voit qu'il est quand même. On a l'impression qu'il est aussi grand. Et je pense que si je le mets d'encore plus loin, vous avez. Ouais, non, vous avez tout le temps l'impression qu'il est grand. Pourtant, il fait à peine la taille de mon bras. Hein. Ah ouais, là, ça va pas plus loin. Il fait à peine la taille de mon bras. D'ailleurs, on a l'impression que mon bras, il fait 3 mètres. Bref, voilà. Et ouais, c'est vrai que si je le mets comme ça, on a l'impression qu'il est très, très, très grand. Alors qu'en fait, pas du tout. Bref. On n'est pas là... On n'est pas là pour parler de ça. Je sais pas quoi dire d'autre, en fait. Mais il faut que je vous parle, parce que c'est un vlog de 3 minutes. Les gens, ils vont se dire, ouais, enfin... Voilà. Si j'ai appris des chorés... Ça, il faut que je vous les fasse. Il faut que je vous les fasse. C'est une obligation de ma part. Je dois vous faire les chorés TikTok que j'ai apprises. Voilà. Alors attendez, je vais essayer de poser ma caméra. Bouge pas, Mickey. Hein. Ouais, ça marche pas. Alors, pour ceux qui. Hein, j'ai un short en dessous. Donc, c'est une robe de chambre. Mais pas trop. Alors, je vous explique. Donc, en gros, alors, je vais pas pouvoir vous mettre comme ça. Faut que je mette plus, genre, comme ça. Oui, j'ai toujours mon short. J'ai mon petit short. C'est juste qu'il est bas et qu'en fait, bah, mon truc, c'est une chemise de nuit, quoi. Donc, en gros, ma danse que j'ai appris, c'était comme ça, c'était... Il y a eu celle-là, et il y a eu aussi celle-là. C'était les deux danses, les deux nouvelles danses que j'ai apprises, je suis trop fière. Surtout ma préférée, c'était vraiment genre celle-là, c'est... Voilà.
c'est tout de ce que j'ai appris sur TikTok. D'ailleurs, actuellement, j'ai trop... Ah si, il y en a une autre. Il faut que je la fasse. Fait. Vous savez, c'est le truc genre... Voilà. Si vous avez pas vu, je vais vous la refaire à oral magie. C'est... En fait... Voilà, c'est les petites danses TikTok que j'ai apprises. Mais je les ai apprises pas aujourd'hui, hein, je les ai apprises un petit peu longtemps. Donc voilà, pour ceux qui veulent retrouver le livre Le Labyrinthe, c'est de James Dashner. Et c'est d'ailleurs son best-seller qui a été adapté au cinéma. Et oui, mais je n'ai jamais vu Le Labyrinthe au cinéma. Et déjà, et que j'adore le livre. J'imagine pas le film comment je dois bien l'aimer, parce que je préfère tout le temps les films aux livres, et pourtant ce livre, c'est vrai que j'accroche bien avec. C'est vraiment quelque chose à laquelle j'accroche comme livre. Donc voilà. Donc là, j'espère que ce petit vlog, ce mini-vlog où je vous promets que demain je vais essayer de vous filmer un peu plus. Donc, j'espère que ce mini-vlog vous aura plu. On se retrouve demain pour un prochain vlog. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche pour recevoir une notification que je sors une vidéo. Et allez, en barre d'infos, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!